Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est Léa Bazar et aujourd'hui on va parler des mythes du Japon. Qu'est-ce que j'entends par mythe du Japon? Eh bien aujourd'hui, c'est le kitsune qui sera mis à l'honneur. Et beaucoup d'entre vous, me semble-t-il, sont intrigués par ce qui se passe au Japon, puisque nous sommes beaucoup à être fans des mangas et des jeux vidéo, qui s'inspirent quand même énormément de la culture nippone. De plus, le kitsune est quand même l'une des créatures du Japon les plus connues. Il faut savoir que c'est une créature qu'on repère dans énormément de jeux vidéo et de mangas. Nous le savons tous, le kitsune est un renard. Un renard à l'apparence plutôt différente, puisque celui-ci possède plusieurs queues. Sur ce, nous allons aborder ce sujet et c'est parti pour la petite intro. Selon les légendes, tous les 100 ans, le renard acquiert une nouvelle queue. On peut en décompter jusqu'à 9, et c'est à la 9e queue que le renard est le plus puissant. D'autres légendes disent que c'est tous les 1000 ans que le renard acquiert une queue, et d'autres encore disent que c'est par les faveurs d'un autre kitsune ou du dieu Inari lui-même que le renard acquiert sa nouvelle queue. Lorsque le renard a 9 queues, c'est là où il est le plus puissant. Lorsque le renard acquiert sa 9e queue, il aura une allure différente. Il existe différents pelages et il sera soit doré, soit argenté, ou alors il sera blanc. Les kitsune sont considérés comme des tricksters. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement que ce sont des créatures très joueuses et qui aiment faire des farces aux êtres humains. Généralement, ils ne sont ni bons ni mauvais, c'est vraiment une créature joueuse. Cependant, il existe certaines légendes qui les catégorisent tout de même en fonction de leur mental, de leurs intentions. On en distingue d'ailleurs 13 selon ces légendes, mais seulement 2 se différencient réellement. Il y a les Myobu qui sont aussi appelés Kitsune Célestes. Ils sont les Kitsune qui sont sous les ordres du dieu Inari. Ils sont bienveillants et sont considérés comme des Kitsune de la haute catégorie, entre guillemets. Ce sont les kitsune de la haute société. Même que lorsque ces kitsune boivent leur thé, ils ont le petit doigt qui fait ça, comme ça. Plus sérieusement, ils sont considérés comme la première classe supérieure des kitsune. Ils sont directement liés aux cieux et c'est les plus bienveillants. Il existe également les nogitsune, qui eux sont des kitsune sombres en fait, des kitsune liés à l'élément du vide. Ceux-là ne sont absolument pas liés au dieu Inari et font un petit peu ce que bon leur semble, sans vraiment se préoccuper du bien pour les êtres humains ou pour les paysans comme le font les autres kitsune. D'ailleurs, dans énormément de légendes, les kitsune prennent l'apparence de femmes afin de séduire les hommes. D'ailleurs, il arrive même que dans certaines légendes, les femmes kitsune s'accouplent avec les hommes et des enfants ensemble. Logique, c'est un peu l'objectif de s'accoupler. L'enfant possédera alors certains pouvoirs issus du kitsune, et c'est plutôt pratique, ma foi, puisqu'il aura notamment le pouvoir de transformation. D'ailleurs, le pouvoir de transformation des kitsune ne se limite pas à l'apparence d'un être humain. Ils peuvent également se transformer en toutes sortes de choses, comme des arbres, des cailloux, ou encore d'autres animaux. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, lorsque les kitsune étaient pourchassés, il était très rare que les âmes arrivent à les attraper, en fait, tout simplement. Parce qu'il suffisait que le kitsune se transforme en caillou et vas-y pour retrouver le kitsune. C'était un petit peu la merde à l'époque. Les kitsune ont également bien d'autres pouvoirs. Un des plus connus est le pouvoir de l'illusion, qui leur permet notamment de faire encore plus de farces aux êtres humains. D'ailleurs, ce pouvoir est parfois tellement puissant qu'il peut s'étendre à autre chose que à la vue, comme à l'odorat, au goût ou encore à l'ouïe. Certaines légendes parlent d'une sphère au niveau du kitsune. Une sphère qui, si elle est trouvée par un être humain, permet notamment de contrôler le kitsune et d'obtenir certains vœux. Malgré leur nature farceuse, les kitsune sont des êtres extrêmement loyaux et qui tiennent toujours leurs promesses. Cela ne vous rappelle rien? Eh bien si, on va parler de notre ami Naruto, et comment évoquer les kitsune sans parler de Naruto? Je pense que l'un des kitsune les plus connus est tout de même Kyuubi.
Kyuubi est très très connu dans l'univers des mangas, mais il existe de nombreux autres kitsune. Le kitsune est vraiment un symbole de la culture nippone qui est récupéré dans de nombreux mangas, animés ou encore jeux vidéo. Par exemple, dans Pokémon, on a Goopix et Fenard qui sont eux-mêmes des kitsune. Et on en croise régulièrement dans énormément d'œuvres au final. Mais c'est vrai qu'on a tendance à les oublier ou à ne pas faire attention. D'ailleurs, si vous avez des kitsune célèbres à me citer, je vous en prie, faites ça dans les commentaires. On est toujours curieux de savoir un petit peu comment se passe la vie de nos amis kitsune dans toutes les œuvres que nous aimons. Surtout que la plupart du temps, on ne fait pas forcément attention. Bref, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, peut-être que je vous aurai appris des choses, peut-être que pas du tout. Et bah je vous invite à faire ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire mettre un petit like et puis me faire un petit commentaire sur ce que vous savez. Et si vous voulez que je traite une autre créature mythologique, une légende ou autre, n'hésitez pas à me proposer dans les commentaires. Je pense que je ferai d'autres vidéos de ce style-là si cela vous plaît. Sur ce, bah comme d'habitude, je vous fais des bisous cordiales, voire de cordiales bisous, et à tous tout le monde.